tous les enfants, Noël, c'est la nuit des cadeaux. Le sapin tout illuminé, les souliers dans la cheminée. Et aussi le Père Noël qui apporte les jouets. Mais pour nous, petits enfants de Provence, Noël, c'est aussi la crèche avec des santons et puis aussi la pastorale. Les santons, vous savez ce que c'est, bien sûr. Et la pastorale, je vais vous l'expliquer, comme ça vous serez au courant de tout. La pastorale, je vais vous la dire comme moi je l'ai vue. Mon papa m'a dit que ça s'appelle la pastorale parce qu'il y a beaucoup de bergers. Et les bergers en Provence, on les appelle les pastres. Pastré, pastoral, pour moi, ça doit venir de là. Au début, quand le rideau de la scène est en train de s'ouvrir lentement, on entend la voix des anges. On les voit pas, bien sûr, puisque c'est des anges. Mais on les entend et ils chantent bien. En entendant ces voix, les bergers qui dormaient se sont réveillés. Les bergers, on dirait les santons de la crèche. Mais eux, ils bougent et ils parlent. Et ils voient que le ciel a une clarté étrange. Une lueur de miracle, pour ainsi dire. Et ils commencent à penser qu'il se passe quelque chose de surnaturel. Tout à coup, un ange apparaît. Oui, oui! Un ange tout brillant de lumière au milieu d'un nuage. Et il leur dit, enfin, il leur chante, je veux dire. Mai n'autre vous connaissez pas, non n'autre vous connaissez pas. Brave berger, brave berger, sera le fin de mi connaissez. Brave berger, sera le fin de mi connaissez. Jacques Mathieu Révillazou, à la voix qui veni d'entendre. Mes points amis, si que sur vous, mes points amis, si que sur vous. Digas nous l'eau, digas
nous tout ce qu'avait de nous apprendre. Digas nous l'eau tout ce qu'avait de nous apprendre. Quand les bergers sont tout rassurés et bien réveillés, les anges leur apprennent la grande nouvelle. Chante encore une fois. Mais là, avec des paroles que j'ai rien compris. Gloria in excelsis, Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis, Gloria in excelsis Deo. Et terra, terra, paz. Les bergers décident d'aller réveiller les habitants du village pour leur annoncer la nouvelle que je me rappelle plus bien comme il aura dit l'ange. Enfin, que le petit Jésus est né. Voilà. Comme moi, ils sont gentils et braves. Mais dans la pastorale, il y a aussi des méchants. Les méchants, c'est le bohémien et son fils. Le bohémien, il m'a fait peur. Il a un foulard rouge sur la tête, des bottes et une grosse moustache, et aussi un grand couteau. Il pense qu'à faire des mauvais coups.
Oh, la belle nuit pourrait passerai, passerai, s'opérerai, mes jouets, venez ici, jouez, s'opérerai. Caribara di la man dei pastre, monio e gira, la bella ne corre passere, passere, so per veire me giue, venese ici, giue ne so per veire. Yo lu benvengo o fonde la plano se hai leuvendo lu vieiar mi loge lu gioenita me cade mente roge dessa montare oh la bella nue ores passere passere per veire me giue venese ici giue ne so per veire me giue le meunier lui il est tout content il a entendu les anges il a remarqué aussi que le ciel il a une drôle de lumière. Il descend la colline avec son sac de farine sur l'épaule et il chante. Engoureuses un tau camine pour y ben picard d'esquino. Ma jouil aille des bois matines d'aquel clarta divino. Dimo nu sau tu va buon trin, le si fai nella falino. Men voleu di la mouvezin, so che vi su la culino, o si lubre du tamburin, le canzon de ne vois fino. Se buon descendi du moulin, e memo sa di falino. Et le remouleur arrive en poussant une machine avec deux roues et une pédale. Et non, c'est pas une bicyclette. Il n'y a qu'une pédale. Une pédale qui fait tourner une pierre ronde. Ça sert à aiguiser les couteaux, les ciseaux, les serpettes. Vous l'avez ainsi, ma poule d'être, et s'engagnar en caucaïso. Amo el inciso e giambeto, veras che farà rendeto. Per li donarlo dario co, mi fas buchetto. Amo un plesivi la tu giù, o meis amour. Au bord de la grande nouvelle, cade la messe, le cache feu.
lei pastorello, se mancun te la testo giù. Se lei cammin passo la nuè, guerra all'estero. Notre la riba rentu giù, o me amour. Ah, j'ai oublié de vous dire. Le rémouleur, il a aussi une gourde de vin. Et de temps en temps, il boit un petit coup entre deux aiguisages. Mais un petit coup après l'autre, les petits coups, ça en fait des gros. Et le rémouleur, vous m'avez compris, hein ? Il est toujours un peu bombette. Mi faudra prendre garde aux tes patins, m'impégar. Si ça colle à camarde, pourrie ou maganta. L'oudier ou qui mi potèche, garir à mon défaut. Mi levara l'inveje, défaire l'humain. L'oudier ou qui mi protège, garir à mon défaut. Mi levara l'inveje, défaire l'humain. Dans la pastorale, il y a aussi deux rigolos. Didier et Pistachier. Pistachier, il est brave, bien sûr, mais il est un peu fadin. Et DJ, lui, il bégaye. Quand il explique quelque chose, il y en a toujours pour un moment. Faut pas être pressé, quoi. Un autre berger sur la colline voisine a entendu les anges. Et il en est tout émerveillé. Desti custau cucun s'avanzo, la minua ver iu s'ampresso, s'una regresso m'ara sero. Yeah.
de vues divino veni gausim in campurim de vues divino que la nouvelle se répand. En voilà encore qui ont entendu les anges. Del vias bu, venes pastureu, que din la contrado sin fa la chamado. Anegiu venceu, venes opluleu, veire la cuchado que din nostra mer. L'enfantum es beu, come un soleu, espero in obbago la nare nense, li la giugare. E la durare. Du village qui commence à être réveillé par tous ces chants, se demande ce qui est arrivé. Qu'est-ce que tu as fait au ramadi qui n'aime bien jamais dit le village, ils seront pas tant de tri. Ils sont les arrivants, pour y aller nous apprendre, à même je vais nous entrer la cabette et l'engagerta. À présent, tout le village est réveillé. Enfin, presque tout le monde, quoi. Parce que le vieux roustide, lui, il est sourd et il a rien entendu. Et les habitants du village vont le réveiller. Roustide mon ami, roustide fond de vie, fais comme les jouvets, Anna la bêterai. Si un vengue tout disait c'est, père et puis à roustide, si un vengue tout disait c'est, Anna la bêterai. Roustide fond de vie, ne fagues pas languine, fais comme les jouvets, prépare les plaisirs. Si un vengue tout disait c'est, après avoir réveillé Roustide, les villageois et les bergers décident d'aller à Bethléem. Les pastoureux à faire un assemblado, les pastoureux à dire le verreux, à qui chasquer la disa rastelado, que s'estomple la parole en ton lado, dana, dana, vers le pichon qu'est là, dana, vers le pichon qu'est là. Comme faire, per nous sentir l'aviso, come fare, beh sai che perirei. Tu sei sabiso che di te lo grido, son tu tronca, li veso la camisa. Lei tra, te non pagai le cao, lei tra, te non pagai le cao. Lei pastore, a fare un assemblato, lei pastore, a te che lo doveu, a chi ciascuna di sabastelado, e se scompre la parola domano, dana, dana, per lupi ciò che è nata, dana,
Le capel bas et la tête courbado, vent tout courant, salut dans la couchado, et fond, la coule de l'effort, et fond, la coule de l'effort. Sur la place du village, mais tout le monde est parti. Il fait nuit, il fait froid et il a un peu peur. Mais la voix d'un jeune garçon vient le rassurer. Va chercher son ami Jourdain et sa femme Margaride, sûr qu'ils n'ont rien entendu. Ils sont encore plus vieux et plus sourds que lui. De vrai toupin, quoi. L'ami Jourdain saute d'oeillet, sa gisse d'estre et matinier. La pluie d'estelle, tardes pas mai, t'espère la laï, venez t'apprendra. Vois les nouvelles. Eux aussi d'aller à Bethléem. Et ils sont là tous les quatre. Et oui, Jourdain, Margaride, Roustide et l'âne. Heureusement qu'il y a l'âne, car ils ne pourraient jamais faire tout le chemin à pied. Je vous l'ai dit, hein, ils sont vieux. Ils se disputent tout le temps, mais ils s'aiment bien quand même. Et ils partent tous les quatre en chantant. Enfin, tous les trois, je veux dire. Parce que l'âne, lui, il ne peut pas chanter, bien sûr. O fiel de Deus que nos esna presentarem nós tens o magi davant o fiel de Deus que esna serem tuta prosterna offrirem monstre e qua pergadi
et Méladine de Jordan. Fontaine de vie et mes départs. Dos mus tres bois en fromage. O fio de Dieu que nous est là, présentaren nos tres hommages. Davant le fio de Dieu que est là, seren tout à reposterna. Tout le monde se retrouve à la ferme de Bembengue. C'est sur la route de Bethelheim. Roustide, Marguerite et Jourdan arrivent les derniers. Et qu'est-ce que vous voulez? Ils sont vieux, je vous l'ai dit. L'âne tire la langue parce qu'il a soif. Et le brave pistaché va y chercher de l'eau au puits. En tirant le seau, il tombe dedans. Pas dans le seau, bien sûr, dans le puits. Et tout le monde va pour le sauver. Le pauvre pistaché, que si nègre, que si nègre. Le pauvre pistaché, que si nègre, que si nègre. Io también, dormi la mano, dormi la mano, hai la chupa, 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 la Questo pe, che si che li sia, ah 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 ah. Se mi fai tu su, eh? Istacemo l'infame, vuoi che spa, eh? Non mi ne mando. On sort pistaché du puits, on le sèche et on part pour Bethelheim, guidé par l'étoile. La neige.
Les bergers arrivent les premiers à Bethléem. Tout est silencieux. Ils frappent à une porte et le valet de ferme qui dormait se réveille en sursaut. Il descend son fanal à la main car il fait encore nuit. Les bergers lui demandent si c'est dans cette étable qu'est né le petit Jésus. Mais lui, il sait pas puisqu'il dormait. Pourtant, les bergers lui disent qu'au-dessus de l'étable, il y a l'étoile. L'étoile qui les a guidés. Alors, il ouvre la porte et voit dans l'étable la Sainte Vierge, Saint-Joseph et le petit Jésus entre le bœuf et l'âne. Et il est tellement surpris, mais tellement surpris, mon Dieu, qu'il reste là, les bras levés au-dessus de la tête. Et c'est pour ça que dans les 100 ans de la crèche, on a un qu'on appelle le Ravi. C'est lui, c'est le valet qui gardait l'étable. Les bergers offrent les présents qu'ils ont apportés. Des agneaux, des moutons. Et ils chantent parce qu'ils sont heureux. Son sac de farine. Gigi et Pistaché viennent ensuite. Ils apportent une trace d'ail, une fougasse et aussi une grande cage vide parce que l'oiseau s'est envolé. Siam doucement les rousses varlées car ils vont d'Egypte. Avec mes din loupanier, un ancien képito. Est un bel apprivoisa qui fa que répépidja. Et j'en si si si. Et j'en si si si. Et j'en si. Et j'en si. Et j'en si. Ma yeu ti diu que j'en. Un roussignol. Et un roussignol sauvage et face au ramage. Et le petit Jésus, pour les remercier, fait un miracle. Pistaché devient intelligent. Et DJ ne bégaye plus, mais plus du tout alors. Arrive l'aveugle guidé par son fils. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, il y a aussi un aveugle dans la pastorale. Et le bon Jésus lui rend ses yeux pour qu'il puisse voir. Le bohémien arrive avec son grand couteau et il veut tuer le petit Jésus. Mais lui, il n'en veut pas puisque c'est le bon Jésus. Il arrête le bras du bohémien. Et le bohémien se repent. Et il devient gentil, tellement gentil, qu'il rend à l'aveugle son fils qui lui avait volé. Car ce jeune bohémien qu'on croyait que c'était son fils, eh bien, c'était pas son fils, c'était le fils de l'aveugle. Et puis, arrivent les vieux et ils se disputent encore. Faguez plus tard et n'arrière.
Aqui o pichon tant aimable, besai que si l'agnarie. Jordan siès, parfois aimable, démaillé les adoiriers. Fais une trine abominable. Et mes voix t'aurénaillées. Et mes pistes margarido, serré au cadre des flingues. Terre qui parle, clair au rideau, sas venu les bras pétés. Ils offrent leur présent et puis ils s'embrassent tous les trois. T'es, pour une fois, ils sont d'accord. Tout le monde est heureux et tout le monde chante. Et tous remercient le ciel de leur avoir donné le Messie. T'es, ça y est, ça m'est revenu. Voilà comment il appelle le petit Jésus dans la pastorale, le Messie. Oh, yeah!